Salut tout le monde et bienvenue sur Burger Mobile TV. Donc moi c'est toujours Nicolas. On se retrouve aujourd'hui pour un test express. Alors qu'est-ce que c'est un test express? C'est un test où on va droit au but. Pas de fioritures, on passe pas au drive, on passe tout ça. Et on est aujourd'hui ensemble pour le petit Tex-Mex de chez McDonald's. Donc j'ai mon tout petit sac parce que j'ai pris que ça. Et on va déguster ça ensemble. On va dire ce qu'on en pense. Alors il est pas sorti, il est pas sorti récemment, on va dire, mais je l'ai jamais goûté, donc c'est l'occasion. On va faire ça ensemble. Donc il est livré, si on peut dire, dans un petit emballage. Donc il fait partie de la gamme Les Petits Plaisirs de McDonald's qui est à 2 euros. Donc c'est très bien en complément d'un menu ou quand on a une petite faim. Donc je vais déballer ça et puis on va regarder ça ensemble. Oula, le pain est plein de paprika. Il est vraiment incrusté. Oula, on en a plein les doigts. Bon, ça c'est pas cool. C'est pas cool ça. Bon, c'est raplapla, hein. On va le comparer un petit peu à ce qu'on peut trouver sur internet. Est-ce que vous pensez que c'est la même chose? Moi je pense pas. Alors, je vais le poser et puis on va aller à l'intérieur, on va le disséquer. Hop, hop, je vous prends la petite caméra et on va regarder ça. Alors on a des oignons frits, un tout petit peu, de la sauce mexicaine, on va dire, hein. Goût mexicain. Je sais pas, ils ont haché des mexicains, je sais pas, ils ont fait quelque chose. De la salade, un steak, enfin du fromage déjà, un steak, et en dessous rien, juste le bun toasté. Voilà, donc je repose la caméra. Hop. Et on va tester ça. Hop, petit bout de fromage comme d'habitude. Je pense que j'ai une version avec très peu de sauce. La sauce est très bonne. La sauce a un goût fumé. C'est très très bon. Mais par contre, il y a le problème du pain. Du pain paprika, là. On s'en met partout. C'est pas cool. La Burger Mobile n'apprécie pas. Ouais, si, c'est un peu sec, mais au goût, c'est bon. Si vous en voulez un peu, hein. Allez-y, croquez. Bon, je termine ça et je donne mes impressions. On revient. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce petit Tex-Mex à 2 euros de chez McDonald's? Alors je pense que j'ai eu une version déjà avec très peu de sauce et j'avais un côté du pain sur la fin là qui était presque rassis. Donc je sais pas ce qu'il a eu, il devait être là depuis un moment ou je sais pas. Pourtant il était bien chaud, mais le pain était presque rassis sur le côté. Donc on va faire abstraction de ça. On va dire que le pain était moelleux comme n'importe quel pain et je vais juger comme ça, hein. On va être gentil. Je pense que le paprika sur le bun, c'est très gênant. On s'en met partout, il y en a plein les doigts. Là, j'en ai partout, j'en ai là aussi. La sauce est très bonne. Pour 2 euros, par contre, chez McDo, on a déjà vu mieux. On a le petit wrap, qui est un grand classique, qui est très bon. Il y a eu le petit italien, qui était absolument parfait. Le petit charolais, qui est un classique. Mais en fait, ça serait bien que ça revienne. Un petit italien ou un petit charolais, parce que le petit Tex-Mex, je ne reviendrai pas pour ça. Donc je vais lui donner une note sur 20. Je vais lui donner un... Allez, un 10 sur 20. Et voilà, c'en est fini de ce test express, le petit Tex-Mex. Nous, on se retrouve tout bientôt. Et pensez à vous abonner, pensez à mettre un petit pouce en l'air. Et puis à bientôt, voilà. Allez, on coupe.